Démonstration d'écrêtage sonore. Présentement, la caméra Nikon D810 est réglée en manuel. Donc, le contrôle du volume sonore n'est plus en automatique, il est en manuel. Et j'ai réglé ça au maximum à plus 20 par erreur ou intentionnellement. Et si vous remarquez à gauche, les niveaux, la gauche, votre gauche, ça va être quelque part ici, je pense. Les niveaux vont dans le rouge, tapent souvent dans le rouge. Et le segment rouge s'allume, c'est pour indiquer un écrêtage audio, donc un son qui sera irrécupérable, même en post-production, en première, si je baisse le son, la distorsion va rester là, on va juste l'entendre moins fort, puis on va entendre la voix moins forte aussi. Donc, c'est ça du son distorsionné, c'est irrécupérable. On pourrait mettre le micro plus bas, et je pourrais parler moins fort, ce qui est presque un chuchotement, et là, ça écrêterait moins, ou même encore plus bas. Mais plus que je mets le micro loin, plus que je ramasse l'acoustique de la place, plus que je vais ramasser les bruits de fond aussi, les ventilateurs. Là, en ce moment, on est chanceux, il n'y a aucun ventilateur qui roule dans ce local-ci qui est assez silencieux et la porte est fermée. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, dans les faits, le micro doit être ici au niveau du sternum et dans ce cas-ci, c'est trop fort. Donc, ça, c'est la conséquence d'un son distorsionné. Ça sonne comme ça. Démonstration d'écrêtage sonore. Présentement, la caméra Nikon D810 est réglée en manuel. Donc, le contrôle du volume sonore n'est plus en automatique, il est en manuel. Et j'ai réglé ça au maximum à plus 20 par erreur ou intentionnellement. Et si vous remarquez à gauche les niveaux, la gauche, votre gauche, ça va être quelque part ici, je pense. Les niveaux vont dans le rouge, tapent souvent dans le rouge. Et le segment rouge s'allume, c'est pour indiquer un écrêtage audio, donc un son qui sera irrécupérable, même en post-production, en première, si je baisse le son, la distorsion va rester là, on va juste l'entendre moins fort, puis on va entendre la voix moins forte aussi. Donc, c'est ça du son distorsionné, c'est irrécupérable. On pourrait mettre le micro plus bas, et je pourrais parler moins fort, ce qui est presque un chuchotement, et là, ça écrêterait moins, ou même encore plus bas. Mais plus que je mets le micro loin, plus que je ramasse l'acoustique de la place, plus que je vais ramasser les bruits de fond aussi, les ventilateurs, là, en ce moment, on est chanceux, il n'y a aucun ventilateur qui roule dans ce local-ci qui est assez silencieux et la porte est fermée. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, dans les faits, le micro doit être ici au niveau du sternum et dans ce cas-ci, c'est trop fort. Donc, c'est ça la conséquence d'un son distorsionné, ça sonne comme ça. Alors, qu'est-ce qui arrive quand le son est trop faible? Là, en ce moment, si vous remarquez, les segments du niveau sonore ne lèvent presque pas. Ils lèvent juste sur mes crêtes. Mais dans les faits, si tout l'enregistrement est fait comme ça, en ce moment, je suis à plus 2 en manuel, il va falloir que j'augmente beaucoup, beaucoup le son dans première. Et en augmentant le son, je vais aussi augmenter le bruit de fond de la caméra. La caméra a un bruit de fond électronique. Un peu comme du noise quand on met l'ISO trop élevé. Et ça va commencer à fabriquer une espèce de bruissement qui est désagréable, surtout quand je me tais dans mes silences. Parce que je ne suis pas pour commencer en première à monter le son quand je parle, baisser le son quand je ne parle pas, ça va être un travail de post-production épouvantable. Et ce bruit-là, dans les silences, en fait, qui est présent partout, mais qui est plus évident dans les silences, il est désagréable. Il ne correspond à rien. Ce n'est pas un ventilateur, ce n'est pas un bruit d'automne, de vent dans les feuilles. Donc, conséquence d'un niveau sonore trop faible. Maintenant, j'ai encore baissé le niveau sonore à plus 1. Donc, je suis au niveau sonore à la sensibilité minimale, si on veut, du microphone. Ça serait bon pour quelqu'un qui crie énormément fort et encore. D'accord, mais pour quelqu'un qui parle normalement avec ce microphone-là, le son est trop faible. Il va falloir vraiment l'augmenter dans première et en l'augmentant, on va créer tout plein de parasites et d'artefacts qu'on ne doit pas entendre. Le bruit de fond, dans le fond, des préamplificateurs de la caméra. Si on avait une caméra de qualité et de très bons préamplificateurs,
le bruit de fond serait très, très loin. C'est comme une caméra qui a un ISO très élevé. On peut monter l'ISO puis le noise n'apparaît pas trop. C'est la même chose en audio. Nos préambles ne sont pas très bons dans les caméras.